Bien, salut tout le monde, c'est Onrek. On se retrouve donc pour continuer nos aventures en compagnie de Luigi. Nous sommes toujours en live sur Twitch, également en rediffusion donc sur YouTube, histoire que tout le monde puisse en profiter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube parce que c'est en 1080p et c'est censé être un petit peu plus agréable à regarder pour ceux qui sont sur Twitch en tout cas. Parce que si vous regardez déjà leur diffusion sur YouTube, c'est pas la peine que je vous conseille d'aller voir ça sur YouTube. Bref. Donc la dernière fois nous étions arrivés à cet étage et le professeur nous avait appelé pour nous dire que il y avait quelque chose qui se passait qu'il fallait retourner le voir quoi. Et de toute façon nous étions bloqués parce que on a une prise dans le mur là et on peut rien en faire. Oui, reviens au labo dès que tu peux, il s'est passé quelque chose. Voilà, il m'aide à faire mon résumé. Mais j'arrive. Et donc de toute façon, on ne pouvait rien faire parce qu'il y a une porte derrière le bateau là, mais on peut pas faire quoi que ce soit avec le bateau. Bref. Il y a un problème avec ce joystick de Joy-Con là ou quoi, je sais pas, parce qu'il avance tout seul le personnage tout le temps. Bref. Donc on va passer par là pour aller au labo. Je pense que ce sera plus rapide. Ah Luigi, je t'attendais. Mais pardon, il me manque un toad, dis-tu? Alors, oui, c'est vrai. C'est justement ce dont je devais t'entretenir. Je voulais modifier ton ectoblast GLU, en vue de l'améliorer, bien sûr. Et pour ce faire, j'avais besoin d'un bidule qui, j'en étais sûr, se trouverait dans l'hôtel. J'ai donc demandé à un Todd d'aller le chercher. Malheureusement, viens voir par toi-même cette vidéo du Todd. On dirait qu'il a été attaqué par un fantôme dans la salle où la vidéo a été prise. Écoute, Luigi, cette vidéo est un indice. Sers-toi des éléments qu'elle contient pour retrouver le Todd. Mais surtout, rapporte-moi mon bidule, d'accord? Ne me déçois surtout pas. Mon invention est en jeu. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que cette mission vaut bien tous les risques. Allez, au travail. Ok, bon. On retourne explorer l'hôtel. Et là où on a vu le Todd, ça ressemblait beaucoup à l'étage B2, là, le machin avec la machinerie, ou je sais plus comment ça s'appelle. La chaufferie. Voilà. Donc c'est reparti pour la chaufferie. C'est pas l'étage que j'ai préféré, franchement, avec le déplacement sous la bouée et tout. C'est pas. Non, c'est pas mon favori du tout.
Ok, alors il nous manquait deux gemmes hein, ici. Il y en a une qu'on voit là-haut. Alors comment y accéder? La question est toujours là. C'est bon, on a compris comment il marchait lui maintenant. Hop. Bon, alors le Toad, où se trouve le Toad? Évidemment tout le temps et passer à droite. M'énerve ce joystick, je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est très agaçant. Très 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 agaçant. Ouais, un petit peu tout réexplorer, hein, histoire de voir. Ah mais il manque la machine. On voit le truc là-haut. Là, il y a un truc là. C'est ça qu'on est venu chercher d'ailleurs. Enfin, que le Toad était venu chercher.
faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir s'il n'y a pas un moyen de passer par là. Apparemment non. Bon. Et ben on remonte. Je sais pas comment on récupère la pièce là, mais c'est peut-être après être Todd. Peut-être lui qui va nous aider à les récupérer. Allez, on est reparti. En même temps, le professeur est pas très intelligent. Hein. Envoyer le Todd tout seul, sachant que ils sont sans défense, c'est pas forcément la chose la plus maligne à faire. Enfin, je sais, moi, j'aurais pas envoyé Todd tout seul, en tout cas. Le niveau de l'eau. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut passer pour retourner là-bas? Là, on est bien d'accord qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de passage, il n'y a rien. Et apparemment, on peut pas monter. On peut pas faire monter le niveau de l'eau. Je peux pas refaire tomber l'échelle. Chaque fois que je reprends le jeu, je me retrouve toujours à pas trouver ce qu'il faut faire. Eh ben le bidule, je l'ai trouvé, il est là-haut. C'est le Todd. Où est-il ?
Petit Todd, tu t'es planqué où donc? Ah bah sous la caisse, la tête. Apparemment, oui. Ouais, puis comment tu repasses? Parce que tu passes pas par là, toi. Ah bah attends. J'ai une idée. Boum. Tout simplement. Allez. Ah, tu as trouvé le Todd. Tout rentre dans l'ordre. Maintenant, vous pouvez tous les deux vous concentrer sur ce qui importe vraiment. Mon bidule d'amélioration. On le voyait sous la vidéo au cas où tu aurais oublié. Bonne chance, mon garçon. Mais on l'a vu. Il est juste là. On l'a vu, il est juste là-haut. Oh, regarde Luigi, c'est les bidules que j'avais rapportées. Je ne me doutais pas qu'il serait là-haut. Allez, viens, que je t'envoie là-haut, toi. Ah, le voilà enfin. La bidule dont j'avais besoin. Bravo Luigi. Maintenant, reviens au labo pour que je puisse améliorer ton ectoblast GLU. Donc, on retourne direction le labo. Juste au cas où. Que ce soit à nouveau débloqué. Bah d'ailleurs. Mais non, d'aller de ta place, mais la voie est bloquée. Consulte ta carte pour trouver une autre issue. Parce qu'il a l'air de nous dire, l'issue serait par là. Oh, mais non, il était dedans, là, arrête. Et ça m'énerve, ce joystick qui bouge tout seul, là. Quoi, ça marche pas? C'est vraiment pas ça.
Vous allez pas me dire qu'il faut refaire tout le tour quand même. Par là. Pourquoi je pouvais pas avoir de Luigi? C'est pas... c'est de l'eau ça? Ouais, c'était des détritus, pas de l'eau. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en est sorti quand même. Par où on descend? Par où est-ce qu'on descend? Ah, l'aide! Mais non, mais tu vas pas l'emmener. Doit être enlevé. Bon, moi comme ça, il me gêne plus. Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, tu te fais pas capturer cette fois. Récupérer le Toad aussi déjà, c'est déjà pas mal si je pouvais.
Luigi, c'est plutôt par là. Nous devrions trouver la sortie, ouais. Mais vite de te faire capturer! Quand je dis que les fantômes violets, c'est les pires. Franchement, c'est pas des bêtises. Il m'énerve ce joystick là. Je sais pas ce qu'il y a là, cette manette, mais c'est énervant. Apparemment, c'est pas avec Luigi qu'il faut faire cette chose. Le révéloscope ne révèle rien. Faut se servir de. Faut se servir de Toad comme d'un bélier, d'accord. D'accord, d'accord. Pourquoi pas? C'est pas cool pour Toad, mais bon. Regarde, Luigi, il y a une porte. Ah, on dirait bien qu'elle n'a pas de poignée. Ah oui. Ah, on peut faire que deux rebonds. Fallait le savoir. Oui, mais j'ai bien compris, c'est bon. Voilà. Mais non. Mais t'as... Voilà. Le joystick veut bien faire ce qu'il a à faire. Ça marche mieux. Non, loupé. Allez, tant pis, c'est pas grave. Mais ferme-la. Ouais, laisse tomber.
Ça nous amène dans une zone qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'explorer, ça. C'est bon. Restons calmes. Ce n'est qu'une manette qui défaille. Très agaçante, mais bon. Ça c'est bon. Plus que la jaune hein, qu'on a vu au début, mais que. Qu'on n'a pas accès. Enfin, que j'arrive pas à trouver accès en tout cas. Mais non, ouvre le coffre, idiot! J'allais le faire, parce que visiblement, monsieur n'est pas assez intelligent pour le faire tout seul. Il n'y a vraiment rien à redemander au Todd. Rien du tout. Cela est un peu ragoûtant, mais plancher ne t'avancera à rien. Un peu de mer et avance, mon garçon. Oh, c'est quoi qui m'arrive? Ok, il y a des trucs partout. Oh, ça m'énerve. Le gameplay, ça allait bien au début, puis alors là, merci. Merci. Quoi?
comme ça on a débloqué, tu sais. Un truc à faire avec ça. Des perles quand même, ça valait quand même un petit peu le coup. J'aurais préféré un attirer à la gemme manquante, mais bon, peut-être pas trop demander. Ouais, c'est trop petit, c'est trop petit pour pouvoir pouvoir l'envoyer. Ah, mais pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Ça veut pas avec lui. C'est un récalcitrant celui-là. Mais chope-le! Ça va, le sous-sol au-dessus est pas si haut que ça. Arrête. Ah.
Encore. Bon, hein. Il nous fout la paix. Ah, Luigi, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de te revoir. Maintenant, donne-moi le bidule, s'il te plaît. Oui, vas-y. Tout ça pour ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai aussi besoin de l'éthoblast que j'ai eu, voyons. Allez, dépêche-toi. Hé, regarde un peu ça. J'ai terminé mes modifications sur l'éthoblast que j'ai eu. Oh, ouais. La forte aspiration est maintenant si forte que j'ai décidé de l'appeler l'hyper-aspiration. Malheureusement, pour l'utiliser, tu dois brancher l'éthoblast GLU dans une prise spéciale. Mais ce n'est pas le bout du monde. Tu trouveras forcément quelques-unes de ces prises dans cet hôtel. Lorsque ce sera le cas, j'ose espérer que tu sauras quoi faire. Mais d'ailleurs, n'y avait-il pas un bateau qui te barrait la route au niveau de la prise spectrale? Avec l'hyper-aspiration, ce bateau appartiendra définitivement au passé. Retourne-y et commence par chercher une des prises dont je t'ai parlé. Plus rien. Je crois qu'on a vraiment fini cet étage là. Allez, direction le fameux étage 12.